De nouvelles pages dans le parapheur de l'amitié. Un accord signé, main sur le cœur. Sous la bannière de cette poignée de main, le lien entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Les deux pays l'ont appelé « accord de coopération de défense et de sécurité transfrontalier ». Le Cameroun s'engage par ma voix à respecter et à mettre en œuvre les clauses. Avec cet accord, les deux pays s'engagent à assurer la surveillance maritime au large de l'océan Atlantique, assurer la collaboration des autorités locales. L'accord chasse la mauvaise humeur et remplace la méfiance par la confiance. Non seulement de renforcer la confiance entre nos deux peuples, mais également de développer davantage nos relations. Dans cette mission de diplomatie militaire, ils ont été reçus à l'issue de la réunion par le président équato-guinéen, son excellence Théodore Obiang-Nguema, satisfait de l'issue heureuse de ce dialogue. La réciprocité du dialogue a pris forme dans l'échange des cadeaux à Sipopo. Le Ceiba, l'arbre protecteur de Guinée équatoriale, a même reçu un bout d'ébène. Une carte aux frontières solidement dessinées par le bronze qui le garnit.